Très bien. Du coup, j'ai fini. Je n'ai plus de trucs à faire ici. On se casse. Encore une quête, comment ça ? Years ago, a never before seen paradox effect haunted the Yashas Massif. Bah oui. Bien évidemment qu'il y a encore une quête. Vu qu'il y avait le mec qu'on a découvert. Une distorsion s'est produite. Ok. Pas pu être plus loin encore. Passion randonnée. Bienvenue dans FF Backtracking 2. Ah oui, je ne sais pas. Et on les défend, vite fait, bien fait. Après, en théorie, il y a les chocobos, mais. C'est un peu l'enfer là. Il y a des boules comme ça qui popent de nulle part, c'est relou. Où baisser le son. Travelers of the timeline. Can you hear me? Yul. No, it's her. Yul. Yes, I am Padrasu Yul, servant of the goddess, witness to the timeline. I have committed an unforgivable crime. And now I must pay the price for my sins. Many years ago, evil, in the form of a merciless beast, materialized in the city of Padra. It was no ordinary creature, but one that devoured time instead of prey. In order to free our city of the menace, I had no choice but to banish it into the void beyond. There was peace once again in Padra. Avec quel goût le temps. However, this created a distortion in time that continued to grow. As it spread, it began to swallow innocent victims, one by one. When they were taken, all that remained were crimson orbs. Orbs that contained their grief and anguish. Each one a silent reproach, reminding me of the terrible mistake that I had made. But look what is happening. The creature cannot be imprisoned for eternity. It is trying to break free to once again feed on time. I cannot banish it now. Not like I did all those centuries ago. Je peux lui péter le cul. Travelers of time, listen to me. The terrible beast must be defeated. Mm-hmm. On dirait le mélangeant. On dirait il y a une crête en chocobo. Yul. Et caméraman. Okay, I need to sort this out. So one of the Yules from long ago caused a distortion in time to banish the monster and save the city. But then that caused another distortion. Right. And that created a paradox, which is what we're facing now. Yul knew what the future was going to bring when she made her choice. She knew she was going to cause pain and suffering for a lot of people. But she also knew that was her only choice. Her anguish remains in these ruins in the form of a ruby of grief. That's awful. Noel, we have to stop her suffering. Let's show her that she did the right thing. If we defeat the monster, we should be able to set her free. Caméra qui... Un gros plan sur Serra.
Oui. Effect backtracking return. Encore. Encore return. C'est vraiment lui, pardon. Ah non, du coup je sautais. Je peux plus le taper. Pas avoir l'avantage. Oula. Je peux pas lui faire de défaillance. Ouais, il va garder ses trucs, je suppose. Ouais, c'est facile, c'est juste une touche. Tellement ridicule. Ah, j'ai pas. Oh, ça, pourquoi il me tape alors qu'il a provocation? Il est pas censé avoir guérison, pardon. Le catapulte. Non, il catapulte pas. Aïe. Ah mais Natasha est morte. You're okay now. Great. Try this. Wait. Thanks. Et j'ai. De mob de merde. J'ai
plus que de Phoenix. J'avais parfait le plan. Galérer moins sur FF13. Oui et non. Sur FF13, je comprenais les stratégies des ennemis après plusieurs essais. Alors que là. Là non. Donc oui, en plusieurs combats, j'ai moins galéré. Et c'est quoi tous ces. Ah merde. Non mais c'est mort. Je recommence. Sur ce mob en tout cas. Je m'en souviens même plus. Bon déjà là j'ai l'avantage. Il a changé beaucoup de choses, hein. Faut pas se mentir. Le truc c'est que je peux pas le dissiper mais... Là, si je peux le mettre en état de choc très vite, on va m'aider. Bon, c'est relou là. Dire. Putain, merde, il utilise vie et j'ai pas vu, et du coup, j'ai utilisé une cutscene dans le vide. Tu vois. Mais comment il... Et il fonce. Ah, j'ai l'air bien. Allez, Natasha. Reviens à la vie, comme ça tu pourras relever ça. Alors. Et c'est compliqué, là. Normal, normal. Je me suis fait focus. Ouais, mais je sais bien. Ça va se faire buff, mais c'est là je sais que dissipation ça marche pas, au moins ça m'amuse. On va peut-être essayer de lui foutre poison, je sais pas si ça peut marcher. Juste pour dire de garder la jauge. Pardon? From 1300 PV, tout 100 PV. What? Pourquoi il se prend fragile et défaillance en permanence? Oh, c'est quand l'ennemi tape. Hein. C'est pour ça que j'arrive à garder aucun buff parce qu'en fait il. Ouais, il fait de la merde ce mob. Non, là il reprend, il a repris. Je sais pas ce qui se passe. Ça dégoûte. Il me focus, il me tape en boucle. Et la vie qui retire. C'est abusé. Il me retire 1400 en zone. Il me fout son chocobo forcément.
est-ce que c'est un chocobo et du coup il a un effet sur le chocobo? Je sais pas. Profiter de mon état de choc comme ça. Et là il attaque pas. Mais je comprends pas. Profiter pour il Natacha. Natacha qui là se prend pas de malus. Il fait plus rien là dès qu'il est provoqué. Je vais changer mes tactiques. Hein. Et là si je switch, il va commencer à taper, à tabasser et tout. Il me casse la gueule. Pourquoi moi? Ça va, j'ai bouclier. Ouais ça va. Au pied de pierre. Il fait plus rien. Il est bugué en fait ce mode. Ok, donc là c'est la merde. On switch. Sur Noël, vu que c'est lui qui a les trucs. On fait ça sur Sera. Vite. My boy. Ok, là il s'est buff, c'est chiant. Mon chocobo s'est fait démolir. Il a plein de malus là. Ah non, c'est moi. Pardon. T'approches pas, brut. Oh putain. Elle continue d'envoyer dans le vide, ok. J'aimerais ne pas l'utiliser. Chocobo vert n'a pas guérison vraisemblablement. Si si, il l'a utilisé des fois.
Ah non, il a pas. Il me semblait qu'il du coup, je sais pas, j'ai perdu des effets comme ça. Lui, la guérison, mais il a 800 PV, donc autant vous dire que c'est la baisse. Bon, en attendant. Mais c'est simple, je vais revoir mes stratégies. Ouais, prends une compétence spéciale de ravageur flèche d'Artemis. D'accord. Alors je veux bien fusionner, mais je sais pas comment ça marche, donc. Javelot météore. Oui. On va tester la fusion. Comment ça marche? Monstre. Momo. Fusion. Ah, je peux pas. Sauvegarde. Alors attends, parce que c'est. Monstre. Genre, imaginons de toute façon. Clong, Clong. Clong, c'est celui que j'ai actuellement, donc Clong, imaginons. Je veux le fusionner. Là, j'ai. Je peux pas. Je peux pas avec les chocobos en fait. La merde. C'est l'ordre inverse. De quoi tu parles? Y'a pas les chocobos en fait. Et y'a pas Clang. Mais y'a Clang. L'ordre inverse, c'est-à-dire qu'il faut que je choisisse Natacha? Ça? Attends, c'est écrit quoi? Sélectionnez le monstre dont vous souhaitez transférer les compétences. Donc genre, si je fais ça, sacrifier Momo pour améliorer Natacha en transférant des compétences. Ah oui, et donc là j'ai des résistances. Il ne m'intéresse que très peu finalement. Vous dire, ça m'intéresse pas. Ça sur lui, mais par exemple, soit amélioré, il s'en bat les couilles. Avoir une résistance à la foudre. Sur mon ami Clang. Ah, d'accord, ok. Ah d'accord, ok. C'est juste que c'est dans un deuxième temps où ça c'est disponible. Donc là, si je fais ça sur Momo, c'est-à-dire guérison.
Ok. Là, c'est plus clair. Sans lui, j'utilise pas des masses. Très bien. Ensuite, stratégie, du coup. On va essayer. Faudrait ici que lui soit défenseur. Là, il y a moyen de faire quelque chose. On peut tenter un truc là. Ah, si ça passe. Mais je sais bien, je sais bien. On va voir. On va prendre des compétences uniques via des fusions particulières également. C'est l'unique moyen d'apprendre régénération 2 à un soigneur. Ok. Il est con pour un soignant. Oui, 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 allez. Ah, c'est bien placé et tout là. Voilà, et là on passe comme ça. La Natasha s'occupe de toi. Et moi je bois. Caméra s'il vous plaît. Tardif, ça n'a pas marché, je sais pas. Alors un jour. Oh mais putain, je me fais one shot là. Allez, l'aggro. Désir l'aggro s'il vous plaît. Bah ouf. Ça. Chope l'aggro, Kéké. Putain, mais... Regardez le choc si possible. Yes. Ouais, celui que j'ai fait comme ça, sort. Il a plus de vie le pauvre. Il a plus de vie max. T'as pas des objets pour mettre full life ton équipe? Non, le problème en fait c'est que je me fais manger ma vie max. Et j'ai du poison qui me croque et tout.
Ok. Ok, il est... Il est pour l'instant aggro. Il s'est remis plein de buffs, dont bouclier, donc ça c'est chiant. Alors effectivement, je pourrais y revenir plus tard, mais n'est-ce pas un aveu de faiblesse? J'adore quand ça one shot comme ça. Et je l'ai fait sur moi parce que ça bouge les trucs. Allez, Natacha. Ok, tu nous tiens en vie, hein. Compte sur toi. La provoque. Non. Bah, c'est fini parce que du coup, j'ai pas. J'ai plus de queue de phénix. J'ai tellement plus de vie que... Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ah, attendez, j'ai vu un objet qui pourrait être pas mal. Et non, j'ai pas 100 de phénix alors que j'ai 500 PV max. C'est bon au niveau des rôles, ouais, ça a gardé. Je sais. C'est la 15e fois. Non, mais j'ai vu un objet, mais. Non, je suis trop con, j'aurais peut-être dû lire la description directe. Pour le menu. Pourquoi moi? Ça marche pas pour les objets non plus, ouais, ok. C'est plus sûr. Là, c'est râle, fait rien. Là, c'est bien, il tape Clang. Ah, il nous tape tous les deux en fait, donc finalement, ça a beaucoup de changements, non? Et quoi, là, gros? Et garde le worst move ever. Bah oui, mais j'ai rien d'autre si. Ouais, je connais pas les compétences. Non, j'ai pas. J'ai rien d'autre aussi. En vrai, là, c'est de la merde. Début de combat merdique. J'y arriverai. Voilà. Et là maintenant. Je crois que Noël n'a pas défi. Et non.
Try this. Nice priming. Juste envie de garder un petit peu de choc. C'est quoi ces mouvements qu'il a fait là? Mais tout! D'où je suis touché, je suis à l'autre bout de la map. D'ailleurs, hop, regardez le choc. Ah non, il est déjà baissé, bon, c'est baisé. Quel enfer. Avoir du poison. Je vais mettre des buffs Noël. Volonté, ok. Mais en vrai, je me fais trop des buffs. Alors, je peux pas me buff parce que je me fais des buffs. Je peux pas le debuff parce qu'il est invulnérable à ça. Il veut pas être stun. Il cancelle chaque attaque dès qu'il tape. Il se prend toujours lenteur. Putain, j'ai failli crever. Bon, c'est chiant, mais je vais refaire ça. C'est good. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Yo. Je suis perdu dans mes compétences. Ah bah, je suis tout seul. Tant pis. Ouais, passer aux potions pour te soigner plus vite. Ça rend trop peu, c'est pas possible. Non, mais je crains que je doive abandonner pour l'instant. Wesh. Wesh cousin, salut. Mais on reviendra. Et on lui pètera le cul. Bon. On va rester bloqué sur un boss annexe. On va écouter les personnes âgées, à savoir Ista. La voix de la sagesse, comme on l'appelle.
future city of Academia is overrun by Seath. And the sealed pages of history may hold the reason why. Caius was here in this tower, where the secrets of the past still lie. Lightning, it was our faith in the tiniest chance that helped us get this far. We might not know what kind of answers are waiting for us, but there is one thing we've learned already. When the path ahead is too dark to see, sometimes it's important to just keep going. Caius came to this facility as well, right? I don't know why, but he seemed convinced it was our fault the timeline was distorted. That's more like it. Now we can explore the other floors. Hey, Lisa. Hey, that girl. Isn't that Alyssa? What's she doing in this time period? T'as pas vu qu'elle vient de se téléporter? But it can't be her. Let's find out for sure. J'avais déjà envoyé mon mug là-bas.